très bien les vitamines et les protéines. Donc, les fibres, très bien. Oui. Les protéines. Où est-ce qu'on trouve les fibres? Où est-ce qu'on trouve les fibres? Madame. On les trouve les fibres dans les légumes. Très bien. Donc, Très bien. Maintenant, où est-ce qu'on trouve les lipides? Oui. Le beurre. Le beurre, quoi encore? Dans l'huile. Dans le beurre. Dans l'huile. On peut trouver dans les fromages aussi. Dans les poissons et dans la... Voilà, très bien. Dans les poissons. Dans quoi encore? Dans les œufs. Dans les œufs, quoi encore? Maintenant avec les protéines, on a dit quoi? Dans quoi on trouve? Zeynep. Et la viande en général. Très bien, très bien. Oui, où est-ce qu'on trouve les sels minéraux? Oui, Osama? Dans l'eau et quoi encore? Et les jus. Et les jus. Dans l'eau et dans les jus. Très bien. Nous avons déjà vu maintenant les groupes alimentaires. Il nous reste, on a dit que la nutrition, c'est quoi? C'est l'apport d'aliments, aliments nutritifs à l'estomac, au corps, à l'estomac. C'est bien? Maintenant, comment est-ce que, de quelle manière on doit manger? De quelle manière on doit se nourrir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit respecter dans un repas? Qu'est-ce qu'on doit manger? Est-ce qu'on doit manger un seul type alimentaire? Ou bien un seul groupe alimentaire? Osama? On doit manger quoi? Tous les aliments. On appelle un repas équilibré. Un repas comment? Équilibré. Très bien. Qui est-ce qui peut me dire un repas équilibré, c'est quoi? Un repas équilibré, c'est quoi? Il contient quoi? Très bien, il contient tous les aliments et principalement, c'est quoi? Les aliments bâtis. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi les aliments bâtisseurs? Vous avez ici les fromages. Vous avez ici. Est-ce qu'on peut trouver des aliments bâtisseurs dans la viande? Pourquoi pas? Quels sont les aliments protecteurs? Ryan. Les légumes, quoi encore? Les? Et les fruits. Donnez-moi des exemples d'aliments protecteurs. Samy. Les tomates, très bien. Donnez-moi d'autres exemples, Badr. Les pommes de terre, ce n'est pas vraiment bâtisseur, oui. Les carottes, quoi encore? Très bien, tout. Les kiwis. Donc, tous les fruits et les légumes sont quoi? Des aliments quoi? Protecteurs, c'est bien. Qui est-ce qui peut me dire quelle est l'importance des aliments protecteurs et pourquoi on les a appelés protecteurs? Les aliments protecteurs, c'est quoi? Et quel est leur rôle? Quel est le rôle des aliments protecteurs, Ilyes? Ils donnent l'énergie. Oui, on accepte, mais il y a quelque chose qui est très important. Ils donnent quoi? Ils donnent les vitamines et les choses. Et pourquoi on les a appelés protecteurs? Pourquoi on les a appelés protecteurs? Pourquoi? Ils protègent contre quoi? Contre quoi? Contre les maladies, très bien. Oui, oui, c'est pas seulement les bananes. Tous les fruits. Les fruits, quand on mange assez de fruits, plus que les aliments bâtisseurs, il aura une protection contre les maladies. Il y aura une richesse du corps. L'intérêt de quoi, on a dit? Des aliments? Donc les aliments protecteurs contiennent quoi? Samy. Ils contiennent principalement des vitamines et des fibres. Oui. Alors, quels sont les autres aliments? Maintenant, on passe aux aliments quoi? Énergétiques. Quels sont les aliments énergétiques? Ils contiennent quoi ici? Elles contiennent des lipides et des glucides. Donnez-moi des exemples d'aliments énergétiques. Zeynep. Le chocolat et les
chocolat, les beurres, quoi encore? Les huiles. Les huiles, quoi encore? La confiture, quoi encore? Vous avez les gâteaux, les biscuits, le pain aussi. Très bien. La pomme de terre, c'est avec les aliments énergétiques, attention. Les pommes de terre, c'est avec les aliments énergétiques. Que contiennent les pommes de terre? Contiennent. Est-ce qu'ils contiennent des protéines ou bien des glucides? Contiennent. Elles contiennent quoi, Hiba? Ils contiennent des glucides principalement. Ils contiennent des glucides. Les pommes de terre, ils sont sucrés. Ils contiennent assez de sucre. Donc ils sont des aliments quoi, les pommes de terre? Maintenant, on va récapituler quels sont les types d'aliments. Ou bien quels sont les aliments principaux. Les types d'aliments, Oussama? Très bien, les aliments bâtisseurs. Quoi encore? Et l'aliment protecteur. Qui est-ce qui me répète? Samy? Les aliments bâtisseurs, ils contiennent quoi? Très bien, voilà, c'est ça la réponse. Les aliments bâtisseurs, répète Zeynep. Les aliments protecteurs contiennent quoi? Gel? Très bien, les aliments protecteurs contiennent les fibres et les vitamines. Mais, oui? Lipides et glucides, très bien. Donc c'est quoi un repas équilibré? Ou bien c'est quoi un menu équilibré? C'est quoi? Maintenant, un repas équilibré, un menu équilibré, c'est quoi? Oussama? Qui contient? Répète Oussama, viens. Répète Oussama. Viens ici. Imaginez avec moi que je mange seulement des viandes et du lait. Je mange seulement ça, des œufs, etc. Ce n'est pas un... Est-ce que je serai atteint? Il n'est pas? Qu'est-ce qui manque à ce repas? Qu'est-ce qui manque, Oussama? Et les aliments protecteurs. Seulement des aliments énergétiques et des aliments bâtisseurs. Est-ce que c'est un repas équilibré? Baha. Pourquoi ce n'est pas équilibré? Parce qu'il n'y a pas des aliments protecteurs. Imaginez avec moi que je mange seulement des aliments protecteurs. Est-ce que c'est un repas équilibré? À tout à l'heure. Car il manque quoi? Les aliments? Il manque les aliments énergétiques et les aliments bâtisseurs.